Yep, les gens, c'est Verxio, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus Touch, donc j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez spéciale, ça va être pour l'event de Skunk. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir accès au Digi Skunk, tout simplement comment aller à la vallée de la mort qui tue. Donc il y aura deux chemins pour pouvoir y aller, et je vais vous montrer ces deux là dans cette vidéo. Donc maintenant on va parler aussi du concours. Donc dans la dernière vidéo j'avais encore lancé un concours Kama, le problème c'est qu'on n'avait pas eu les conditions, on n'avait pas dépassé les 80 likes en moins de 7 jours, du coup il n'y a pas eu de gagnant. Maintenant on va parler du nouveau concours, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, j'ai fait un concours 300 000 Kama à chacune de mes vidéos. Alors pour participer vous devez juste laisser un like, un commentaire constructif, donc qu'il soit négatif ou positif, juste un commentaire constructif pour aider à améliorer mes vidéos, et à vous abonner. Donc voilà, maintenant vous êtes arrivé au village des éleveurs, donc au ZAP, qui se situe en -16,1, donc je vous montre directement où c'est. Donc dans cette zone entre la route sombre et le marécage des crocodiles, donc là vous devez vous rendre au ZAP, donc -16,1, et c'est là que va commencer le chemin. Donc là je vais vous montrer juste avant les prix des poils de Warco violet qui sont assez chers, aux alentours de 80 000 kamas, je vous mettrai un screen, et de même pour les boomerangs sanguins qui valent aux alentours de 35 000 kamas, 45 000 kamas par 10, ce qui peut vous faire vraiment énormément de kamas, et c'est là qu'on va pouvoir en tirer une astuce kamas de cet event. Ça va être de aller dans la vallée de la mort qui tue, et non seulement de farm le Digiskunk pour obtenir ce bouclier, et pour pouvoir notamment obtenir le Dofuscalyptus, obtenir le Koalak sanguin en l'échangeant avec une panoplie Koalak, ou encore en obtenant le sort boomerang perfect que vous pouvez changer contre ces 10 boomerangs. Donc c'est là que la suite quand même va marcher, c'est que beaucoup de gens pendant cet event vont acheter ces boomerangs, donc les boomerangs sanguins, qui vont être entre 35 000 et 45 000 kamas, voire 50 000 kamas, selon l'économie, comment cela va se dérouler entre les offreurs et les acheteurs. Donc maintenant on va commencer le chemin, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est avant tout pouvoir vous rendre dans la vallée de la mort qui tue. Donc il y aura deux parties, donc ça, elles vont être très similaires, la deuxième partie va être beaucoup plus courte, parce que vous allez vous retrouver directement au Digicoulos, et là vous aurez plus que 4 ou 5 maps à parcourir. Donc maintenant on va faire le chemin ensemble du Digicoulos, donc je vais mettre en accéléré, on se retrouve dès que la première partie sera terminée. Donc allez, c'est parti les gens. Donc là vous arrivez dans la montagne des Koalaks au canyon sauvage. Donc là qu'est-ce qu'il va falloir faire, quelque chose que je vous conseille qui est vraiment très pratique étant donné que les mobs agressent, ça va être déjà de mettre en mode transparent. Qu'est-ce que le mode transparent, il va vous permettre de pouvoir vous voir à travers les objets et de pouvoir voir les mobs du coup qui s'y cachent étant donné qu'ils agressent. Donc pour cela vous avez juste à déployer cette barrette, vous cliquez sur le petit personnage et ça va rendre le décor en transparent. Maintenant vous allez aller dans les paramètres, dans les options, et vous allez décocher afficher tous les monstres dans un groupe, ce qui va vous permettre de voir les mobs en un par un, et du coup vous aurez plus d'espace pour pouvoir les contourner et de ne pas vous faire agresser. Donc allez, c'est reparti. Il vous reste maintenant plus qu'une map pour arriver dans cette fameuse vallée de la mort qui tue. Donc vous allez cliquer ici dans le coin, c'est vraiment limité pour cliquer, et là du coup vous y êtes enfin. Donc là il y a des mobs de assez haut niveau, enfin haut niveau, ils sont à peu près niveau 110, mais ils n'en ont pas l'air. Franchement ils ont un niveau, je pense plutôt niveau 130-140, ils sont presque plus forts que des bouffes moutes. Donc franchement faites attention, surtout le faux chalak qui a seulement 2 PM mais qui commence presque toujours en premier, il a énormément d'initiatives et qui surtout peut vous one shot dès qu'il vous touche, il vous one shot et il invoque à votre place un aventurier fantôme.
Donc voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, donc que vous allez pouvoir farm le skunk qui se situe juste ici. Donc là vous avez juste à continuer au chemin et vous y serez en 2-3, en une dizaine de maps, donc c'est assez rapide. Vous ne pouvez pas passer autre part, donc là non, ce ne sont pas des entrées, malheureusement j'ai essayé. Là c'est bouché de partout et c'est vraiment le seul moyen d'aller dans la vallée de la mort qui tue. Donc voilà, donc maintenant on va passer directement à la deuxième option qui est beaucoup plus rapide mais qui demande quand même une certaine condition. Donc allez, c'est parti les gens. Donc voilà les gens, là on va se retrouver pour la deuxième partie, pour le deuxième chemin pour accéder à la vallée de la mort qui tue. Donc ça va être un chemin adjacent au premier, donc tout simplement en fait ça va être le chemin pour aller au Digicoulos, sauf en sens inversé, c'est à dire que vous allez devoir avoir un allié qui va pouvoir vous TP, ou alors vous avez une mule, ce que vous voulez, ou encore vous avez un gars qui était devant le Digi qui gentiment va bien vouloir vous TP. Donc pour cela je précise quand même, vous devez vous mettre devant le PNJ et faire téléporter les membres du groupe si jamais vous en avez besoin. Et une fois que vous vous retrouvez devant le Digicoulos, vous allez tout simplement devoir rebrousser chemin. Donc pour cela déjà vous allez aller dans une map à droite, alors faites attention tout simplement de ne pas vous faire agresser. Et aussi une petite indication, le trou juste ici est une map secrète, si vous tombez dedans vous devrez refaire tout le chemin, donc faites attention quand même. Donc maintenant on se retrouve pour le deuxième chemin, donc voilà, je remets la vidéo les gens. Donc voilà, c'était assez rapide, donc là c'était la deuxième option pour arriver à la vallée de la mort qui tue. Et là vous arrivez de nouveau et vous pouvez toujours farm les mobs. Donc pourquoi j'aurais mis Astuce Kama dans le titre? Tout simplement parce que je vous ai parlé aussi des poils de Warco violet qui rapportent vraiment énormément de Kama, avec un drop qui est vraiment il est vraiment pas mal le drop. Si vous êtes à 6-8, vous faites un combat avec un Warco violet, vous avez on va dire 95% de chance de drop. Souvent en plus au niveau 110-130, quand vous farmez ce genre de mob, vous avez environ 200 de PP. Du coup vous avez vraiment beaucoup de chance de drop ces poils qui coûtent vraiment une blinde. Surtout aussi les boomerangs qui coûtent 45 000 Kamayu environ et qui peuvent vous rapporter beaucoup étant donné que c'est la période de l'event. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc aussi il y a les chemins si vous voulez pas le faire en vidéo, que vous voulez regarder un site, vous avez aussi les chemins sur le site de Papicha, donc le bazar de Papicha, donc n'hésitez pas à aller checker leur site. Et voilà, donc c'était tout pour moi, donc n'oubliez pas de laisser un like pour récompenser le travail fourni. Donc allez, ciao ciao.